commerce. Il n'est plus possible de se réfugier dans leur formation initiale. Il faut apporter de la valeur ajoutée à sa candidature. Imaginez, c'est toute votre personnalité qui ressort. Car en plus du diplôme, les entreprises recherchent des débutants qui ont non seulement effectué des stages pointus, mais également développé des qualités essentielles. Quelles sont ces qualités ? Adaptation, souplesse d'esprit. Alexandre. Salut Marielle. Ça va ? Ouais, toujours pareil. Et alors, t'as vu ces grèves qui se passent en ville là en ce moment ? Tu sais, ça me passe un peu au-dessus tout ça. T'en as même pas foutu pourquoi il y a un autostoppeur ? Non mais si jamais je te trouve sur le bord de la route, t'inquiète pas, je te prendrai. Ça revient sur terre Alexandre. Bon, c'est pas tout, mais si on allait déjeuner un peu là. Ouais. Le volume de NaOH ajouté à la burette. Donc, par conclusion, vous avez A- égale N NaOH sur le volume de CH3COH. Putain, quand est-ce qu'il arrive ce fou? Vous savez, c'est pas la peine de trépigner comme ça, j'en vois pas plus vite. Oui, c'est vrai, mais ça me défoule, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous énerve? Rien. La voiture est tombée en panne,
et de céréales, il n'y a pas de train, mais j'ai un cours qui commence dans 5 minutes. Vous prenez les choses avec philosophie. Oui, pourquoi pas. Au moins, ma voiture est bien garée chez moi, je risque pas d'amende. Tiens, en voilà un. Bah alors, vous voyez, fallait pas s'énerver. Quoi, t'arrives à te maîtriser, toi? Tu fais quoi, socio? Presque, psycho. Au fait, je vous ai pas autorisé à me tutoyer. Désolé, c'est d'habitude. Je vais avoir un bon quart d'heure de retard, mais c'est pas grave. Faut que je prenne ça avec philosophie. Bon, écoutez, vous avez une voiture qui doit marcher de temps en temps. Alors que moi, d'ici, il me faut au moins 3 quarts d'heure pour aller jusqu'à la fac, alors vous ne plaignez pas. T'as pas tort. On a bien d'autres raisons de se plaindre. Ah oui? De quoi? De rien en général. Et de ces petits riens en particulier. Ticket, s'il vous plaît. Sortez votre carte d'identité. Allô? Ah, bonsoir, Marielle. C'est pour te dire que demain, j'arriverai qu'à midi, alors si tu veux me retrouver... Non, demain, j'ai pas le temps. Ah bon? Ben, salut. Par hasard, si je vous trouve ici. Totalement, en effet. Mais qu'est-ce que tu me veux, au juste? Tiens, on commence à me tutoyer, maintenant. Qu'est-ce qu'on vous apprend, psycho, sur les sentiments? Sur quels sentiments? Sur quels sentiments? L'amour. Tu vois, aimer, c'est donner et recevoir. Alors que quelqu'un d'amoureux est plus égoïste. Et si jamais j'étais amoureux de toi, tu crois que je finirais par t'aimer? Mais tu es toujours aussi direct avec les filles? Non, non, d'habitude, je laisse traîner les choses et au bout du compte, j'arrive à rien. Mais pourquoi avec moi? On a dû te dire aussi dans ton cours que le coup de foudre, ça s'explique pas. Ouais, c'est vrai. Alors? Mais alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on devient, nous deux? Je sais pas, moi, de toute façon, là, j'ai un cours. Attends, tu vas pas partir comme ça? Pourquoi pas? Parce que je vous le demande, mademoiselle. Bon, ce soir, 7h à la rue Commerce. Ouais, c'est vrai. Donc,
chef. Ah non, c'est Tata. Ah, c'est Tata. Ah, puis la fille. Tu vois, tout à l'heure, j'ai un petit bidon. T'es pas venu à l'arrêt de commerce l'autre jour? Si. Bah, t'étais où? À l'arrêt commerce. C'est pas possible, j'y étais aussi. T'étais où exactement? Bah, à l'arrêt commerce, ligne 1.